Ah bah vous êtes déjà assez nombreux, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Alors comment ils vont les abdos et comment elles vont les petites épaules? Hein, petite courbature ou pas du tout? Dites-moi. Alors si jamais vous nous rejoignez, bah, je vous souhaite la bienvenue sur cette séance de renforcement d'abdominaux. 2 sur 3. Donc si tu débarques, je te rassure, ça va être un petit peu difficile. Le mieux, c'est d'aller faire la séance d'hier et puis de revenir sur celle-ci demain. Trop mal aux abdos. Ouais. Alors, j'avoue que j'ai une petite courbature ici, là. Voilà, de chaque côté, tu vois, au niveau de la bouteille de Perrier. Ouais. Une toute petite naissance. Ce matin, en me levant, je me suis dit, waouh, elle est sympa, cette séance d'abdos. Alors voilà, je voulais remercier Damary, Toulouse, Amancy, Bourges, Pouzogues, Montpellier, la Normandie, Grenoble, le Brésil et la Réunion d'avoir été parmi nous hier. Et bien entendu, Clermont en force. Clermont, je vous aime. Clermont, vous me manquez. J'ai tellement hâte que ce confinement soit terminé et qu'on ait le droit de se rassembler enfin pour faire un punaise de méga barbecue. Ça me fait plaisir de vous revoir aussi. Merci. Je vais profiter que tout le monde se mette en place pour répondre aux petites questions. Ouais, clairement. Wouh, clairement. Je vais profiter que tout le monde... Ouais, barbecue, on aime le barbecue annuel du PTC. Je vais profiter, voilà, que tout le monde se mette en place pour répondre aux petites questions d'hier. Donc, Christelle qui est très assidue. Hein. Christelle, je la vois quasiment tous les matins. Je ne sais pas si tu es là ce matin, mais je sais que tu es là très souvent. Donc, comment peut-on avoir des abdos sans souffrir? Alors, Christelle, assieds-toi parce que je vais t'annoncer quelque chose. Le Père Noël n'existe pas. Non, c'est vrai. Ah ben voilà, Christelle, voilà. Christelle d'Amancy, c'est à toi que je parle. Le Père Noël n'existe pas, chérie. Alors... Évidemment, on n'est pas tous égaux. Il y a des morphotypes qui sont naturellement plus secs où on va voir plus facilement les muscles, en particulier les abdos. Voilà. Très sincèrement, voilà, faut pas croire au Père Noël. Faut pas croire que parce qu'on va se mettre des ceintures, trucs mûches, qu'on va se mettre des wraps, trucs là, qu'on va... Voilà, non. Pour avoir de beaux abdos, bah déjà, il faut avoir une alimentation équilibrée. Voilà, parce que tu auras beau faire autant d'abdos que tu veux, si tu bouffes de la merde en permanence, bah, il ne va rien se passer. Il faut les travailler aussi, mais il faut savoir que les petits abdos tablettes de chocolat, nous, on les appelle un peu les abdos de la frime. C'est pas parce qu'on voit tes abdos que tu en as beaucoup, en fait. Voilà. Donc, il est possible que tu aies des abdos très puissants, très forts, mais qu'on ne les voit pas. Oui, supprimer les apéros du soir, ouais. Les apéros de visio en ce moment, ouais. Moi, la première, j'en suis la première victime, les apéros du soir. Donc voilà, Christelle, on ne peut pas avoir d'abdos sans souffrir. Pour avoir des abdos, ben, il faut les travailler. Il n'y a pas de secret. Les abdos crocs, ouais, c'est ça. Abdos crocs, abdos Nutella, enfin voilà. Mais Pouzog, ouais, Pouzog, je suis contente de te voir aussi, Valéria. Je sais que tu es aussi très assidue, je te remercie. Gladys m'a dit, je dis j'ai le dos qui creuse, je fais comment? Eh bien, c'est simple, si tu as le dos qui creuse, c'est que tes abdos, ben, ils ne sont pas assez puissants pour faire l'exo, que probablement, ben, il y a trop d'endurance à avoir. Donc, il faut que tu fasses des pauses. Voilà, si tu sens que ça creuse, ben, il n'y a pas de secret, fais une pause. Amandine, ma petite cousine aussi, m'a dit qu'elle avait mal au dos sur les chandelles. Donc ça,
Ça, c'est encore un autre problème, c'est un problème de mobilité en général au niveau de tout ce qui est partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc en gros, tu vois, c'est ce qu'il y a de là à là, tu vois, grosso merdo. Voilà, donc en fait, c'est souvent un problème de mobilité et les gens qui ont mal au dos quand ils font des chandelles, ils ont aussi souvent des problèmes de cervical, ils ont mal au cervical et ils ont mal aussi au lombaire, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Là, c'est pareil, il faut travailler la mobilité de la colonne. Donc, je te conseille d'aller, une fois que le confinement sera terminé, d'aller voir un kiné qui te fera travailler cette mobilité thoracique. Et tu verras que quand tu auras récupéré de la mobilité thoracique, tu auras vachement moins mal au cervical et au lombaire. Et enfin, j'ai ma petite Elodie Dodi là sur YouTube, puisqu'on connaît bien. Ma petite Elodie, tu as eu l'impression que sur les crunchs sur le côté, tu n'as pas beaucoup travaillé. Mais alors, t'inquiète pas, tu as travaillé quand même, j'en suis sûre. C'est vrai que les crunchs sur les côtés, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Mais en même temps, je ne sais pas si tu as calculé, il y a des exos qui sont quand même plus difficiles que d'autres. Donc, voilà, il faut aussi des exos un peu faciles parce que sinon, on ne vous tient pas la longueur. Voilà, pour les petites questions du jour. Donc, si vous avez des questions et que je ne les vois pas, voilà, n'hésitez pas, j'y répondrai demain. Je ne sais pas si j'ai bien fait du coup. Oui, non, mais les crunchs sur le côté, enfin, moi, personnellement, ce n'est pas un exo que je trouve difficile. Ça travaille quand même, je vous rassure. Vous n'avez pas des petites courbatures sur les côtés aujourd'hui, là? Hein, dites-moi, petite courbature au niveau des obliques. Donc aujourd'hui, j'ai laissé mon petit papier là-bas. Aujourd'hui, on va reprendre ce qu'on a fait hier. Ah oui, tu vois, si, tout à fait, on a des courbatures, bah oui. Que dans les grands droits. Ah ouais? Oblique et côte. Alors, du coup, aujourd'hui, on va reprendre les exos qu'on a fait hier. Je vais ajouter un petit peu d'intensité dans le sens où je vais ajouter un petit peu de temps. Sur certains, aucune courbature au niveau des obliques, mais ça ne va pas durer. Ouais, mais toi, c'est parce que ma petite Virginie, t'es une warrior, t'es une machine de guerre. Aujourd'hui, je vais augmenter l'intensité en augmentant le temps de travail sur certains exos. Et je vais augmenter la difficulté sur d'autres exos. Donc, comme d'habitude, respectez les consignes de sécurité, s'il vous plaît. Si vous ressentez que vous avez une douleur qui n'est pas normale, vous stoppez l'activité. Aujourd'hui, on travaille les abdos. Si vous avez mal au dos, vous stoppez l'activité parce qu'avoir mal au dos, ce n'est pas normal quand on fait des abdos. Alors oui, je sais, pour ceux qui me regardent tout le temps, c'est relou. Je répète tout le temps la même chose, mais vous savez, ceux qui me connaissent, que la sécurité, c'est super important, si on fait des exercices correctement, on a de bien meilleurs résultats que si on les fait mal. Donc, si jamais on sent qu'on se fait mal, eh ben, il faut arrêter immédiatement. Je ne suis pas là pour vous corriger. Il n'y a personne pour vous corriger. D'ailleurs, là où vous êtes, vous faites peut-être les exercices pas comme il faut. Voilà. Peut-être que moi, je ne les montre pas comme il faut non plus. Hein. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous ne me voyez pas. Peut-être que... Enfin, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pourriez mal faire les exos. Donc, si vous sentez que ça ne travaille pas au niveau des abdos, ben, vous stoppez, vous faites une pause. Ce n'est pas très grave. Vous pourrez reprendre toujours plus tard en cours, voilà, vous buvez un petit café ou plutôt un petit thé, vous buvez un peu d'eau, voilà, et vous reprenez après une fois que vous avez un petit peu récupéré. Bon, voilà, je m'aperçois que ça fait quand même super longtemps que je parle, je suis vraiment un moulin à parole, je pense que c'est le confinement. Donc, je vais mettre la musique, on va s'échauffer, puis on va partir pour cette séance d'abdos. Allez, c'est parti, on se met en place. Interdit de se moquer du couteau dans la tasse, ok? Allez, je mets la musique. Petit réglage de la caméra, bah, dis donc aujourd'hui on a un peu de mal à se mettre en place.
Voilà, voilà. Là, on est bien. Allez, c'est parti. On fait tourner la tête. On change de sens. Et on fait tourner les poignets. On change de sens. Et c'est parti pour les bras. Très loin, très loin, très loin. Donc normalement, si vous avez bien bossé sur les gainages, vous devez avoir des petites courbatures dans les épaules, en particulier au niveau des omoplates. On change de sens. On fait tourner les coudes. On change de sens. Alors, on va aller chercher à droite et à gauche, comme on l'a fait hier. Donc, c'est là, en général, quand on a des petites courbatures au niveau des obliques, qu'on les sent. Alors, on va rester à droite et on va chercher très loin à droite. On essaye de fixer le bassin. Soufflez bien. Et on fait la même chose à gauche. Tourner le bassin. Et on change de sens. On fléchit les genoux, on fait du petit cercle de bassin. Donc là, ce sont les abdos qui travaillent. Change de sens. Et on relâche. On croise ses doigts, on va les emmener très haut. On fait bien le nombril. On va attaquer les premiers exos. Profitez-en pour boire un coup. Aujourd'hui, on va travailler sur 25 secondes sur le premier lot de crêpes. Hein, fait la crêpe, comme je vous ai montré hier. Bien entendu, je vais vous réexpliquer les exos avec à chaque fois une option facile pour ceux qui sont un peu fatigués, ceux qui n'ont pas trop d'abdos. J'ai rien dit, en fait, j'ai des courbatures aux obliques. Ouais. Non, mais je te l'ai dit, elles arrivent. Elles arrivent. Elles se font toutes discrètes, là, sous les abdos Nutella, mais t'inquiète, va. Elles sont là. OK. Donc, comme d'habitude, je vous montre des options plus faciles pour ceux pour qui ça serait trop dur. Surtout, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on fait des abdos plus faciles qu'on n'est pas des warriors. Le premier exo, c'est les petits ciseaux. Alors, deux techniques. Technique numéro 1, j'ai des abdos. Je garde bien les lombaires au sol. Je fais mes petits ciseaux depuis ma cuillère. Je peux mettre mes mains sous mes fesses sans problème. Option facile. J'ai pas trop d'abdos. J'ai le dos qui creuse. Je vais donc garder les genoux au-dessus du bassin et je vais faire mes ciseaux au-dessus du bassin. Bien entendu, une fois encore, on peut mettre les mains sous les fesses. Pardon. OK. Exercice numéro 2. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, le côté. C'était la grande horloge.
tu montes et tu descends. Ah, celui-là, il a bien marqué au niveau des obliques. Donc, on pousse le bassin vers le plafond, on monte le bras vers l'oreille, on descend le bassin vers le sol, on descend le bras vers le bassin. Easy way, pour ceux pour qui c'est trop difficile, tu peux poser un, voire deux genoux et faire le même exo. Moi, je préfère en poser qu'un, mais tu peux poser les deux si c'est trop difficile. Ça va travailler quand même, mais de manière un petit peu moins intense. Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur le poignet, on peut aussi faire cet exo sur l'avant-bras. C'est vous qui voyez. Vous choisissez votre option en fonction de comment vous êtes mieux. Après, il y avait un gainage de face. Petite extraction de chaussette, excuse-moi. Voilà. Il y avait un gainage de face, donc on n'oublie pas, la colonne est neutre. On serre les fesses, on serre le ventre, on serre le périnée. Et on écarte, on serre les pieds. Bien entendu, cet exo, on peut le faire aussi sur les avant-bras, si on préfère. Easy way, pour ceux pour qui c'est trop difficile, on va rester en statique sur les genoux. Alors, pas comme ça, hein, parce que ça, ça ne sert à rien. On serre le ventre, on serre les fesses. C'est un petit peu comme si tu avais pris un coup de poing dans le ventre et que tu avais mal au ventre. Voilà, on reste comme ça. Et puis, bien entendu, on va se retourner encore et encore et encore et on va faire nos quatre petits tours avant de faire une pause. Je pense qu'il n'y a pas de question, on l'a déjà fait hier. Allez, je me mouche un coup et on est parti, on se met en position. Eh oui, je vous l'ai dit, je ne suis pas totalement remise de ma crève. Hein. Alors, je suis désolée, je vais faire des pauses mouchoirs, tout. Vous faites comme s'il ne se passait rien. Allez, c'est parti. Mon pote la compote. Le chronomètre, donc, pour parer à mon manque de forme. Et c'est parti, on décolle sur le dos pour donc 25 secondes par exo. On est parti. 4, 3, 2, allez, 25 secondes, on ne s'arrête pas. Alors, on peut mettre les mains sous les fesses. Soit on fait la cuillère, soit on met les jambes au-dessus du bassin. Ça dépend de ta forme, ça dépend de tes abdos. Ne force pas trop. Allez, courage. Souffle bien. Allez, courage. 4, 3, 2, allez, on se tourne. Tu viens face à moi. 4, 3, 2, et on est parti. On monte le bras, puis on descend le bras. Allez, on souffle bien. Allez, courage. On monte, on descend, on essaye de faire des jolis mouvements fluides. Allez, courage, encore quelques secondes. 4, 3, 2, on tourne. Allez, on est en gainage de face, on se met sur les mains. On écarte, on serre les pieds. Si on est trop fatigué, on pose les genoux. Moi, je suis sur les mains. Tu peux te mettre sur les avant-bras si tu préfères. Allez, on souffle, on souffle. On lâche ça, c'est que le premier tour sur 4. Allez, courage. 4. 3, 2, allez, on se tourne de l'autre côté et on est reparti, on monte et on descend, n'oublie pas, tu peux poser un genou ou deux sur cet exo si c'est trop difficile, allez, on souffle. Torse et pointe de pied aussi. Courage.
Allez, on a fait plus de la moitié dans cet exo. Allez, allez, on lâche pas. 4, 3, 2. Allez, on se tourne face à moi. Et c'est parti, on monte. Allez, on monte, on descend. Courage. C'est pas la peine d'aller vite. Essayez de faire des grands mouvements. Essayez d'être fluide. Allez, courage, courage. Quelques secondes encore. 4, 3, 2. Allez, on se tourne, on est en gainage de face. Sur les mains, sur les avant-bras. On ouvre, on ferme ou on pose les genoux si on a besoin d'une petite pause. Allez, courage. Soufflez bien. Allez, allez. On lâche pas, c'est que le deuxième tour sur 4. 4, 3, 2. Allez, on se tourne. Et on est reparti. On monte. On descend. Allez, courage, on est des warriors. Des machines de guerre. On a même pas mal. Respirez. Quelques secondes encore. Courage. 4, 3, 2. Allez, on se tourne. On est parti pour la troisième série. On se met sur le dos. Allez, c'était toi le chien occupé. C'est parti. Allez, les petits ciseaux. Si on est fatigué, n'oubliez pas, on peut remonter les jambes. Sans problème. Allez, courage. C'est pas le moment de causer. C'est le moment de bosser. C'est le troisième tour. Allez, courage. Quelques secondes encore. 4, 3, 2. Allez, on relâche. On se tourne face à moi. Et on est reparti, on monte. Et on descend. Allez, courage, on lâche pas. C'est quand ça pique que ça devient efficace. Allez, on souffle. Allez, 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 on lâche pas. Quelques secondes encore. 4, 3, 2, on tourne. Allez, on est en gainage de face. N'oubliez pas le heavy way. On peut poser les genoux si c'est trop difficile. On peut aussi passer sur les avant-bras. Sans problème. Allez, on écarte, on serre les pieds. Allez, courage. Tais-toi, le chien. Il m'entend parler, du coup, tu vois, il aboie. C'est le chien de mon super voisin. Allez, courage. 4, 3, 2, on tourne. Allez, on monte, on descend. La petite horloge. Allez, soufflez bien. Allez, on est sur l'avant-dernier tour. Ça commence à être difficile. Il reste un tour, après on fera une pause. Courage. Allez, on lâche pas. Allez. Allez, quelques secondes. 4, 3, 2. Allez, on se tourne. Dernier tour. 4, 3, 2. Allez, c'est parti. Allez. C'est le plus dur. C'est normal. Allez. On serre tout. On serre le périnée. On serre les fessiers. On monte les jambes si c'est trop difficile. On fait une pause. Si on a le dos qui creuse, si on a mal au dos, faites une pause. Allez, courage. 4, 3, 2. Allez, on passe sur le côté. Qu'est-ce qui me saoule, ce chien? Allez, c'est parti. On monte, on descend. Allez. Soufflez bien. Lâchez bien. C'est ça, nickel. Quelques secondes encore, soufflez. 4, 3, 2. Allez, on tourne, on est de face. Et on est parti, on est
les poignets. Soufflez bien, serrez les abdos, serrez les fessiers. Allez, quelques secondes encore, on tient le coup. 4, 3, 2, allez, on se tourne. N'oubliez pas les ouais. On pose les genoux au sol si c'est trop dur. C'est le dernier, on fait une petite pause. Courage. Allez, on lâche pas, je sais que c'est difficile. Soufflez. 4, 3, 2, et c'est terminé. Pause. Allez, profitez-en pour boire un coup. Ce saucisson à pâte, il m'énerve. Si vous saviez. Dès qu'il est tout seul, il couine, il fait que ça. J'ai tellement hâte de déménager. Bon alors, comment ça va? Comment ça se passe? Normalement, c'est un petit peu plus difficile qu'hier. C'est mon premier cours. Ah, t'aurais dû faire celui d'hier. Parce que 5 secondes par exemple, mine de rien, et ben sur une série de 4 tours, et ben ça se sent. Ça pique le réveil. Oh, tu rigoles, tu te lèves à 11h du matin. Plus dur qu'hier, oui, c'est normal. Allez, courage, les loulous. N'oubliez pas que vous êtes des machines de guerre. Vous pouvez le faire. Implacable. J'adore. Ah, tu travailles de nuit, Bichette, pardon. Mais non, c'est pas affreux, c'est cool. Tu vas voir demain, tu vas sentir tes petits abdos. Tu vas dire, ah ouais, j'en ai en vrai. Eh oui. Bon, allez, buvez un coup, remettez-vous. On va passer donc à la deuxième lot de crépage. On va changer un petit peu. Donc, deuxième lot d'exo. Il y a un seul exo où j'ai décidé de ne pas rajouter de secondes. Oh, putain. Ah, j'espère que vous n'entendez pas trop le chien parce que moi, je l'entends, il me saoule. Donc, il y avait les abdos gym. Vous savez, c'est les abdos où on vient mettre les mains sur les genoux, où on s'étend. Donc celui-là, pareil, il y aura deux options. Je vais volontairement pas ajouter de temps sur celui-ci parce que celui-ci, il est quand même assez difficile comme exo à la base. Et en plus, ça demande vachement de coordination, donc beaucoup de concentration. Donc sur le premier tour, sur le deuxième tour, vous allez peut-être y arriver. Sur les tours 3 et 4, ça va être plus compliqué. Donc du coup, n'hésitez pas à utiliser l'Easy Way sur cet exercice. Ok, je vous montre et puis après, on le fait ensemble. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai mis les petits crunchs sur le côté sur cette série. Parce que du coup, c'est plus simple. C'est un exercice qui est assez simple et que du coup, ça compense un peu celui qui est difficile. Donc, les abdos gym. On va partir, on est assis. On va s'étendre, on va venir mettre les lombaires au sol. Et paf, on va remonter les genoux en même temps qu'on amène les bras. On descend, on monte. Donc ça, attention, c'est un exercice qui est assez difficile, qui demande pas mal de coordination et d'abdominaux. Donc si jamais c'est trop dur pour toi, va pas faire mal, tu restes sur l'Easy Way. C'est celui qu'on a fait hier, qui est déjà assez difficile hein, en termes de coordination, mais aussi en termes d'abdos. Attention, les lombaires doivent toujours rester au sol. On garde le périnée bien serré et on regarde le plafond. Exercice numéro 2, c'était le crunch sur le côté. Donc, pour faire ton crunch sur le côté, tu tournes légèrement. Tu vas mettre la main qui est en dessous au niveau de tes côtes. Et avec l'autre bras, tu vas aller chercher assez haut. Alors, si tu as l'impression de ne pas bosser, je t'invite à descendre ta main ici au niveau de tes abdos, de tes obliques. Et de monter, descendre. Et tu vas sentir comment ça se contracte. Et tu vas voir que si, en fait, ça bosse. C'est un exo un peu moins difficile que certains. Mais bon, il en faut bien des faciles aussi. Easy way. On monte le bras vers le plafond. On essaye simplement de décoller l'épaule. Ça, c'est si on est fatigué.
Prêt, on se retourne. On va être en gainage. Et c'est là qu'on va faire les petites fausses pompes, vous savez. Où on va monter et descendre sur les avant-bras. Donc attention, il faut changer de main de temps en temps. Si jamais c'est trop difficile, bien entendu, on pose les genoux. Vaut mieux poser les genoux et faire bien l'exo que de ne pas poser les genoux, d'être tout creusé, tout pourri. D'accord? Et après, bien entendu, le crunch de l'autre côté. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est motivé? Oh! Je vais le triper, ce chien. Non, j'aime bien les animaux, mais alors celui-ci, en plus, c'est un petit saucisson à pâte qui ressemble à rien. Donc, va lui mettre un coup de poil. J'ai pas de poil au studio. Bon, on est parti. 20 secondes sur les abdos gym, 25 secondes sur les autres exos. T'as un couteau. J'ai pas de... Peut-être bien, remarque. Parce qu'on doit bien avoir un couteau. Comment on coupe les tartes, là, quand vous venez faire les pole parties? Il doit y avoir un couteau quelque part. Bon, allez, on est parti. 20 secondes pour les abdos gym, 25 secondes pour les autres exos. 4 tours. Allez, c'est parti. On commence par les abdos gym. N'oubliez pas, si jamais vous n'avez pas beaucoup d'abdos, si vous n'avez pas d'expérience, ce type d'exercice vous fera vite mal au dos. Gardez les lombaires au sol si c'est trop difficile. Attention, 4, 3, 2, allez, c'est parti. Allez, on respire. C'est pas la peine de se précipiter. Il vaut mieux bien faire les exercices bien propres plutôt que d'aller vite et de les faire mal. Soufflez. Allez, courage. 4, 3, 2, allez, c'est parti, on passe sur le côté et on y va pour le crunch de côté. Allez, soufflez. On essaye de décoller les deux épaules si on peut. Si on peut, hein, si on ne peut pas, c'est pas grave. Allez, soufflez bien. 4, 3, 2. Allez, on se tourne, on passe en gainage, et c'est parti, on monte, on descend, allez, courage, celui-là il est assez difficile aussi, passez sur les genoux, n'oubliez pas, on passe sur les genoux si c'est trop difficile, on serre les fesses, on serre le ventre, on serre le périnée, on change de bras, allez, quelques secondes encore, on tient le coup. 4, 3, 2, allez, on se retourne, on passe sur le côté pour les crunchs de l'autre côté, allez, main sur la côte, on est à peu près des 3 quarts, et c'est parti, on monte, on descend, soufflez bien, 4, 3, 2, allez, on passe de face, on reprend les abdos gym, deuxième série. 4, 3, 2, allez, c'est parti. N'oubliez pas le easy way, si c'est trop dur, n'hésitez pas. Cet exercice est vraiment très difficile. Allez, courage, 4, 3, 2, on passe sur le côté, pour les petits crunchs, main sur la côte, et on est parti, on monte, on descend, soufflez bien, allez, courage. Quelques secondes encore. 4, 3, 2. Allez, on passe de face pour le gainage. 4, 3, 2. Allez, on descend, on monte. N'oubliez pas l'easy way si c'est trop difficile.
On passe sur les genoux, on fait une pause. On change de bras. Allez, soufflez. Allez, soufflez, soufflez. Allez, courage. On lâche pas. 4, 3, 2. Allez, on se tourne. On est parti pour la troisième série. Je suis vraiment désolée pour le chien. J'irai courir mon voisin tout à l'heure quand on aura fini le live. Allez, 4, 3, 2, allez, c'est parti. 20 secondes. On pose tout si c'est trop difficile. N'oubliez pas, ce sont les plus difficiles abdos. Les abdos gym, soufflez bien. On essaiera d'ajouter quelques secondes demain. Courage. 4. 3, 2, allez, on relâche, on passe sur le côté. Et les petits crunchs. Allez, on monte, on descend. On essaye de décoller les deux épaules si on peut. N'oubliez pas de poser les genoux si c'est trop difficile. Faites une pause si c'est trop dur. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas. On change de bras. Allez, courage, on lâche pas, on lâche pas. Vous êtes des warriors. 4, 3, 2. Allez, on tourne. On se met sur le côté. Allez, là sur les côtes. Et on est reparti. On monte, on descend. Allez, soufflez bien. Encore 4. 3. Dernière série. 4, 3, 2, allez, on repart. On est parti pour 20 secondes sur cet exercice. C'est celui qu'on fait le moins. Posez les lombaires si c'est trop difficile. Moi, je vous montre la solution la plus difficile. Allez, courage. 4, 3, 2, allez, on relâche. On passe sur le côté et on est parti pour les petits crunchs. Soufflez bien. Allez, on a pas mal. Celui-ci, c'est le plus facile. On n'oublie pas le easy way. On emmène le bras dans le plafond si c'est trop difficile. Allez, soufflez bien. Trois, deux, allez, on tourne. On se met en gainage de face, courage. C'est la dernière série, c'est la plus dure. Allez, on descend, on monte. Soufflez bien, posez les genoux si c'est trop difficile. Je rappelle le easy way. Soufflez bien, faites une pause. Si c'est trop dur, on change de main. Allez, courage. On lâche pas, c'est l'avant-dernier. Quatre, trois, deux, allez, on tourne. Pour la toute dernière fois, on se met en crunch. 4, 3, 2, allez, on repart, on monte, on descend.
C'est très bien. Encore quelques secondes. Buvez, buvez. Voilà. Alors, tant que j'y pense là tout de suite maintenant, donc demain on refera encore la troisième série d'abdos. J'appréhende le réveil des prochains jours. En fait, ce qu'il faut apprendre, c'est si jamais tu tousses ou t'éternues ou si tu as envie de rigoler. Je veux ma maman. Je suis là, chérie, je suis là. Ça va bien se passer. Donc, oui, je disais, pour les séances de la séance de vendredi, on bossera un peu les bras. Donc, je vous demanderai de prévoir un objet qui fait 1 kg. Donc ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être 1 kg de sucre, 1 kg de farine. Enfin, prenez quelque chose que vous avez chez vous, hein. 1 litre de lait, enfin quelque chose qui fait 1 kg. Donc essayez de prévoir ça pour vendredi. Voilà, on en aura besoin pour le renfort des bras. Est-ce que tout va bien? On va attaquer la dernière série. Super les abdos gymnastes. Bon bah super, si t'as réussi, c'est cool. Demain, on va essayer d'ajouter 5 secondes. Allez, sans transition, on va partir donc pour la dernière série de crêpes. Donc là, on va faire des chandelles. Donc, je vais montrer une option pour ceux qui ont du mal à faire la chandelle. Mais si tu peux, mais si tu vas pouvoir faire la dernière série. Il va y avoir des mini pompes sur les avant-bras et puis va y avoir les enroulés sur le côté. Ah oui, l'enroulé. Ah oui, celui-ci, on l'aime pas bien. Hein. Ok, je te montre et puis après, bien entendu, on le fait ensemble. Aujourd'hui, j'ai ajouté donc 5 secondes par exercice. Donc, on passe à 25 secondes au lieu de 20 hier. Parce que bon, ceux-là, ça va. Hein. Ouais, le feu, le feu. Allez, c'est parti. Feu. Donc, premier exemple, les chandelles. Hier, je vous avais dit, les chandelles, on va mettre les mains le long du corps. Aujourd'hui, on va complexifier un peu le schmilblick. On va lever les bras, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas céder de ses mains pour faire ses chandelles. D'accord? Donc, on garde les bras à peu près à 90 degrés. Si ça, c'est trop dur parce que ça te fait mal au dos, tu vas reprendre l'exo que l'on a fait en début de série. Sauf qu'au lieu de faire des petits ciseaux où on ouvre, on ferme les jambes, donc tu vas faire des ciseaux dans l'autre sens. Un petit peu comme si tu marchais, d'accord? Donc là, je vais te demander de garder les lombaires bien dans le sol et de bien serrer les abdos. Si jamais tu as un peu d'abdos, tu peux descendre les jambes, d'accord? Le but, c'est que tu ne colles pas les fesses puisque c'est cet exercice qui te fait mal. Je sais que vous êtes nombreux à avoir mal au dos quand vous faites des chandelles. Allez voir un kiné pour essayer de rétablir un peu de mobilité au niveau de la région thoracique et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Tac. Donc ça, c'est l'option normale. Easy way. Ok. Deuxième exo, celui que vous redoutez tous. L'enroulé. L'enroulé peut se faire sur les mains ou sur les avant-bras, c'est vous qui décidez. Je pars, je suis grand ouvert, j'ai les mains en croix. Et là, je vais venir enrouler mon bras en dessous de l'autre et passer de face. Et je... Ou comment vous faire travailler un petit peu aussi les bras, les omoplates, incognito. Donc, voyez, j'ai mes pieds qui pivotent. N'oubliez pas de faire pivoter les pieds. Si c'est trop difficile, je pose un genou et je pivote aussi sur mon genou. C'est l'easy way. Ok? On serre le ventre, on serre les fesses, on n'oublie pas. De face. Et c'est là que ça va piquer. Le
fameux petit fausse-pont. Donc, du coup, je suis en gainage, je vais juste avancer et reculer ici. Donc là, on va vachement solliciter la région pectorale en plus des abdos. Si c'est trop difficile, bien sûr, je peux faire cet exo sur les genoux. Donc là, je vais essayer plutôt de desserrer les omoplates, d'écarter les omoplates et de serrer les omoplates parce que sur les genoux, je ne vais pas pouvoir bouger comme je l'ai fait sur les pieds. On essaie bien entendu de garder toujours les abdos serrés. Et bien entendu, de l'autre côté, l'enroulé, ta-ta-ta. De l'autre côté, quand on se tourne le dos. Ok. C'est les derniers, les chouchous, c'est les 4 derniers tours, c'est les plus difficiles. Encore une fois, si vous devez avoir des douleurs qui ne sont pas normales, vous stoppez l'activité, vous arrêtez l'exo, vous faites des pauses, vous passez sur des options plus faciles. Voilà, n'allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de faire parce que c'est le meilleur moyen de se faire mal. D'accord? Surtout, faites très attention à vous. 25 secondes par exo, 5 secondes pour changer, ça fait 2 minutes par tour, 2 x 4, 8 minutes, les 8 dernières minutes de bonheur. Allez, on est parti! 4, 3, 2, allez, c'est parti, on monte et on descend les chandelles. On vient toucher le sol avec ses pieds si on peut. N'oubliez pas les easy-way. Si c'est trop difficile, si vous avez mal au dos, on fait des petits battements avec ses jambes. Allez, courage. Quatre, trois, deux. Allez, on tourne. Le petit enroulé tant redouté. Allez, c'est parti, on enroule et on déroule. Soufflez bien, faites pivoter les pieds. Serrez les fessiers, serrez les abdos. Courage, vous êtes des warriors, des machines de guerre. Encore quelques secondes. 4, 3, 2. Allez, c'est parti. On se met sur les avant-bras et on y va devant, derrière. Allez, courage. C'est sans doute l'exercice le plus difficile avec les abdos gym parce qu'on est à la fin de la séance. Les abdos commencent à souffrir. Serrez tout, n'oubliez pas, easy way. On pose les genoux. N'oubliez pas de serrer le ventre, de serrer les abdos. 4, 3, 2, on tourne. Et on enroule, on déroule, on pivote. Soufflez. Courage. Serrez tout. Il y a un bras qui va mieux que l'autre, c'est normal. Moi, c'est pareil. Allez, quelques secondes encore. 4, 3, 2. Allez, on pose. Et on est reparti pour les chandelles. 4, 3, 2, allez, c'est parti. Chandelle ou petit battement, easy way, souvenez-vous. Easy way. Pour ceux pour qui c'est trop difficile, vous pouvez aussi faire une pause sans problème. Allez, courage. Prenez votre temps dans les exos. 4, 3, 2, allez, on relâche, on passe sur le côté. 4, 3, 2, allez, on enroule. Soufflez. On a pas mal. Allez, on enroule, on déroule. Courage. On lâche pas.
Posez les genoux si c'est trop dur. 4, 3, 2. Allez, on lâche. N'oubliez pas de poser les genoux. On est parti pour la troisième série. Courage, il en reste 2. Et c'est terminé pour aujourd'hui. 4, 3, 2. Allez, c'est parti. On monte, on descend. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est la troisième ou la quatrième. Mais bon, comme quand je ne sais pas, et ben je fais toujours une de plus. Comme ça, je suis sûre que j'ai fait le quota. Hein? Clairement, on me connaît bien. Vaut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins. Allez, courage, quelques secondes encore. 4, 3, 2. Allez, on tourne pour les enrouler. Allez, on ouvre. Et on ferme, n'oubliez pas, pivoter sur les pieds, poser les genoux si c'est trop difficile. Allez, courage. Quelques secondes encore. 4, 3, 2, allez, on passe de face. Sur les avant-bras, on pose les genoux si c'est trop difficile. Et on va devant derrière. Allez, serrez les abdos. On pose les genoux si c'est trop difficile. Souvenez-vous, serrez les fessiers. Courage. 4, 3, 2. Alors, on va de l'autre côté. Et c'est parti pour les enrouler. On pivote. On pose un genou si c'est trop difficile. Allez, allez, on lâche pas, on lâche pas. Je sais que c'est difficile. Il reste encore quelques secondes. 4, 3, 2. Allez, on se remet sur le dos. Pour la toute dernière fois, les chouchous. Courage. 4, 3, 2, allez, c'est parti. Alors, respire bien. C'est là qu'on regrette d'avoir mangé tout ce chocolat. Mais non, il ne faut pas regretter. Le gras, c'est du carburant pour nos muscles. Il en faut un peu quand même. Allez, courage. 4, 3, 2, et on change de position, on passe sur le côté. Les enroulés, c'est les derniers. Allez, on donne tout ce qu'on a. On donne tout, on donne tout. On passe sur les genoux si c'est trop dur. Allez, courage. Respirez. Allez. 4, 3, 2. Allez, on passe de face. C'est la dernière fois qu'on fait ça aussi aujourd'hui. Devant, derrière, on pose les genoux si c'est trop dur. Allez, soufflez. On lâche pas. Allez. Engagez les abdos, engagez le périnée, engagez les fessiers. Respirez. Courage, presque terminé. 4, 3, 2. Allez, on passe sur le côté. Pour l'enrouler, c'est le tout dernier. Allez, on lâche pas. 4, 3, 2, allez, c'est parti. Allez, c'est les toutes dernières secondes de travail. On lâche pas les loulous. Allez, courage. 4, 3, 2, c'est terminé. Ouh. Allez, on passe sur le ventre pour étirer les abdos. Ouh. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, à la fin, j'en ai un peu chié quand même. Hein. Ce chien m'exaspère vraiment. Alors, on essaye de tendre les bras si on peut. On amène une main derrière son enroule l'épaule et on regarde derrière soi.
ta gueule. Pareil de l'autre côté. Vivement pour déménage. Allez, on passe sur les genoux. On garde les deux fesses bien sur les talons. Et on essaye de poser un avant-bras au sol. C'est là qu'on sent que ça tire ici, là. L'autre côté. Et on arrondit bien le dos. On essaye de pousser ses mains dans ma direction. Et on regarde son nombril. Et on relâche. Ouh. Ceci clôture la séance du jour. Je vois que nous ne sommes plus que 28. Oh, on en a perdu quelques en route. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes remis. Je suis mort. Moi, j'ai chaud. Je suis pas morte, mais j'ai chaud. Je ne vais jamais pouvoir aller bosser. Mais si, ma chérie, t'inquiète pas. Tu vas faire un petit repas et puis ça va repartir. Je vous dis donc à demain pour une troisième série donc d'abdos. on se voit demain donc pour une troisième et dernière série de ces petits abdos spéciales. On se remet de Pâques. Et puis vendredi pour une séance de renfort bras. Semaine prochaine, je vous dirai demain le programme de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça sera que du stretch et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Surtout, n'oubliez pas, restez chez vous, buvez de l'eau et voilà. Et puis gros bisous, à demain, salut.